0-3-1 à Charlie 2 Leader. Ici Leader. La zone est en vue. Je crois que nos gars sont pile à l'heure, colonel. Compris, 3-1. Équipe Hitman en place et prête pour l'assaut. Vous avez le feu vert. Colonel, on a un problème. Trop tard, Laswell. On y va. Ça, c'est ma décision. Watcher à 3-1, vous me recevez? Chef de station Laswell, on vous écoute. Le général Barkov a expédié une cargaison de gaz vers son dépôt. Mais ses hommes s'apprêtent à transporter les armes chimiques vers l'Urzikstan ce soir. Vous avez l'autorisation d'attaquer, mais n'ouvrez le feu sur des soldats russes en aucune circonstance. On ne veut pas d'incident international. Rien dit que l'armée russe restera impassible. C'est compris, Alex. Commencez par trouver les gaz, détourner les camions et la zone avancée. Monsieur Watcher. Pas le droit à l'erreur. Les hommes de Barkov vont transporter le gaz ce soir. Tu crois qu'on peut tomber sur le général Barkov? Un général russe oserait jamais traîner par ici. Psst. Attention. Je n'entends deux. Ça nous cherche. Deux mercenaires, pas d'uniforme. Neutralisé. On est tranquille. Compris. Installez-vous sur la crête. On va analyser le terrain. Echo 3-1 à Blue Viking 5. Demande de frappe. Attendez la confirmation de la cible. Compris, 3-1. Viking se tient prêt. On commence la reconnaissance. Faut être sûr que les Russes sont pas dans le coin. Véhicule en approche à la porte principale. Un transport moyen. Un transport pour le gaz. Le véhicule se déplace. Véhicule de patrouille. Des contractuels. La sécurité. Une bonne cible. Aucune présence militaire russe. Confirme la frappe, 3-1. Blue Viking 5, ici Echo 3-1. Troupe à découvert, porte sud, vous pouvez y aller. Compris, 3-1. Cible verrouillée. Feu à volonté dans 5 secondes. 5 secondes. Merci beaucoup, Viking. On va prendre la relève. Attention. Plusieurs ennemis à pied. Сосредоточиться, если что, увидите, стреляйте! On les enfume, allez! C'est bon, on avance. Bien fait, ils avaient des radios et des armes. Faut abréger leur souffrance. La porte, derrière moi. On peut plus vraiment compter sur la surprise, les gars. Restez sur vos gardes. On sait pas ce qui nous attend. Contact! Amateur! On a un vide mitrailleuse au premier! Il est retroché! Faites un tir dessus! Bonne suppression! Fais le tour et abat-le! En avant! On doit sécuriser le gaz avant qu'il l'emporte! Charge!
HS. Bien joué, Cocoin. C'est bon. Gaz doit être là-dedans. Sauf si c'est trop tard. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a peut-être des armes chimiques. Mettez vos masques. C'est parti. Quoi ? Ils ont coupé le jus. Allumez vos torches. Avec moi. On voit rien du tout là-dedans. Il est mort ! Trouvez les fusibles, trouvez le gaz, et on se tire d'ici. Attention les yeux. On a le courant. Ouais. On a un problème. C'est des gars de l'armée russe. Des Spetsnaz. 3-1, Watcher. Les mercenaires de Barkov sont des Spetsnaz. On a tué des militaires russes. Il faut qu'on foute le camp. Négatif. La mission est prioritaire. Vous n'avez pas le choix. Comme d'habitude. 3-1, terminé. Vérifie que c'est bien ce qu'on cherche, et on préparera les camions pour l'évacuation. Compris. Jackpot. Confirmé, c'est bien le gaz. Bien reçu, 3-1. Chargez tout ça et rentrez à la base. Compris, on y va. À toutes les unités, on est en route vers le rendez-vous. Restez vigilants. Beau travail, Alex. Rejoignez le point d'accroche pour extraction. Reculez ! Watcher à 3-1, retirez. Alex, retirez. Terminé. C'est là, 3-1. C'est là. Alex, qu'est-ce qui s'est passé ? Attaque terroriste. Plusieurs marines tuées. Gaz volé. Évacuation immédiate. Reçu. On signale d'importantes troupes russes en approche. Tenez bon. On est en route pour vous exfiltrer. Watcher, terminé. Cette opération va être compartimentée. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que vous n'êtes plus habilité, colonel. Ces hommes sont mes marines. Il faut envoyer une équipe maintenant. Ça va pas être possible. Ça, c'est pas de votre sort. Colonel, Laswell. Général, mes hommes Norris, sont... Norris, donnez-nous une minute. À vos ordres. Nous avons un problème. Le Kremlin a suspendu tous les canaux de communication, la 6e flotte investit la mer Noire, et maintenant on a des armes chimiques dans la nature. Cette opération porte votre signature, Laswell. Réglez-moi ça. Général. Les renseignements sont notre meilleure arme. On a déjà essayé cette arme. Il va falloir trouver bien mieux. John. Laswell. Vous êtes où ? Occupé. J'ai un problème. Les Russes ? Les nouvelles vont vite. Des terroristes ont mis la main sur des armes chimiques. On ne sait pas où ils sont. Paris, New York. Londres. Je vous brise quand ? C'est déjà fait. Sergent Garrick, répondez. Ici Garrick. Niveau de menace devient critique. Sans doute plusieurs assaillants. Un kamikaze peut être pire. On a des snipers en position. Négatif, sergent. Il
faut éviter la panique à tout prix. Les terroristes sont au courant, chef. Garrick, pas de zone de guerre en plein Londres. Compris ? Oui, bien compris. Ok. Je crois qu'on est tout seul. Ça va le faire. Qu'on en finisse, d'accord ? Ok. Sergent. Gardez. C'est bien la description. Oui, c'est eux. Sabre à Raven, véhicule suspect vers le nord. On bouge. Reçu. Vous ne devez engager qu'en cas d'attaque imminente. Camionnette blanche, à gauche. Foncez, go! Ils sont là, mes frères! Viens par là. On y va! Bouge pas! Police, plus en place! Les mains en l'air, maintenant! À plein ventre, tout de suite! Je m'oblige pas de répéter! Non. Détonation à Piccadilly Circus, des coups de feu, plusieurs agents touchés. Envoyez-nous les ambulances, vite. Putain de merde, Dyke, regarde. Garrick, suivez-moi.
Sécurisez les angles. Des otages, en haut. Au secours! Au secours! Aidez-nous! Enlevez-moi ça, Blitzer, enlevez-moi ça! J'ai besoin de vous, sergent. Aidez-moi! Je suis pas avec eux! À toutes les stations, on a un homme avec une bombe. Gardez vos distances. Je veux pas mourir. Pitié, je veux pas mourir. Ça s'ouvre pas. Vous pouvez l'aider. J'essaie. Laissez-moi voir mes filles. C'est trop tard. J'y arrive pas. Plus de temps. Aidez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Non, non. À toutes les stations. C'est réglé. Préparez-vous, on va sortir. Que tout le monde reste calme. On va vous sortir d'ici. Rien de cassé? Ça va. Allez. Vous avez sauvé des vies, sergent. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, chef. On nous a envoyés au casse-pipe. Pour que tout le monde puisse prétendre qu'on n'est pas en guerre. Ouais, mais personne n'est dupe, ça c'est sûr. Alors pourquoi on a les mains liées? Il suffirait qu'ils nous laissent les combattre. Chef. J'écoute. On n'a pas la moindre chance avec ces règles d'engagement, capitaine. Dites-nous où, dites-nous quand, mais pas comment. On a traqué cette cellule pendant des semaines. Vous aviez des renseignements exploitables? Oui, mon capitaine. Ok, Garrick. Suivez-moi. Al-Qatala a revendiqué l'attaque. L'ordre est venu du loup en Uruzgan. Alex est déjà sur place, il cherche les armes volées. Il aura besoin du soutien du Front de Libération, alors dites-lui de contacter leur commandant. Vous connaissez Karim? On s'est croisés. Donnez mon nom, ou ils le tueront. Quel est le message du capitaine Price? Commandant Karim, appelez-moi Alex. Je vous écoute, Alex. C'est confidentiel. Laissez-nous, cousin, et préparez-vous. Il y a 48 heures, des terroristes ont volé du gaz aux Russes. Il n'y a que Al-Qatala pour faire ça. Les Russes ne font pas de distinction entre Al-Qatala et votre peuple. Et moi, je ne fais aucune distinction entre Al-Qatala et l'armée russe. Les deux sont des terroristes. On n'utiliserait jamais de poison. Aidez-nous alors, avant qu'ils... Avant qu'ils quoi? Qu'ils attaquent l'Europe? Ou l'Amérique? Leurs attaques sont notre quotidien. Commandant, il faut y aller. C'est qui, lui? Alex, je te présente mon frère et lieutenant, Adir. CIA? Il est avec le capitaine Price. Tu tues les Russes, alors? J'ai des amis qui peuvent aider. Mais la décision revient à votre sœur. Bien sûr. C'est ma sœur qui commande. Et l'armée russe est toujours là. Il faut que cette occupation cesse. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus, Alex? Les hommes de Barkov contrôlent la ville. Nous avons un plan pour les contrer. On n'a pas de missiles, mais on se débrouille. Si tu restes, nous t'aiderons. Mais si tu restes, tu te bats. C'est d'accord. Bienvenue en Uruzgan, Alex. Suis-moi. Ces tunnels vont nous sauver. On nous signale que des commandants russes arrivent en ville. On leur tend une embuscade. Comment? Des explosifs. Ça devrait les surprendre. Et aussi éloigner la sécurité de la base russe, ce qui nous permettra d'attaquer. Il faut qu'on soit prêt à tout. Si on va trop loin, on n'en reviendra pas. Tiens-toi prêt pour l'attaque. Sois prudente. Allez, Alex, prends ces charges. C4 et détonateur à distance. Merci. Veille sur ma sœur.
de chance. Toi aussi. Bonjour. Allez, viens. Vite. Américain? Tu peux te fier à lui. Tiens, Alex. Enfile ça. De quoi j'ai l'air? Ça ira. Tariq, comment ça se passe? Les Russes sont juste dehors. S'ils aperçoivent vos armes, ils tireront. Et notre plan tombera à l'eau avant même d'avoir commencé. Alex, nos armes nous trahissent. Ne laisse pas les Russes voir la tienne. Planque ton arme, s'ils la voient, t'es mort. Suis-moi. Je suis le général Roman Barkov, notre supérieur et commandant de ces territoires. Les hommes de Barkov occupent toute la ville. Ils font encore plus de Sera là aussi? Peu de chance. Ils se cachent pendant que les autres font le sale boulot. Quel genre de sale boulot? Des sanctions. Pour avoir osé. Les hommes au travail, les femmes dans les véhicules. Fais ici qu'on se sépare. Tu vas devoir te fondre dans la masse. Passe par la porte principale. On se retrouve de l'autre côté. Ressources. Bien. Allons-y. Mes contacts sont postés un peu plus loin. Ils ont des explosifs pour nous. On attirera davantage de soldats russes avec une grosse explosion. Merde. Les soldats de Barkov ont trouvé mes contacts. Ils sont peut-être déjà morts. Attention au bruit. Il faut un silencieux. Trouve un filtre à huile. Tu pourras t'en servir de silencieux. Ça fera l'affaire. Bien. On tourne par la droite. T'en prends deux. Je m'occupe des autres. On va se trouver. Tu les as en joue? Ouais. Prends-en deux. Je m'occupe de l'autre. Va voir dans la pièce du fond. La voie est libre. Par ici. Désolé pour tes contacts. On a les explosifs. Leur sacrifice ne sera pas vain. Suis-moi, je passe devant. Quand on détruit le général Barkov, on en paie le prix. Qu'est-ce qui se passe? Pitié, elle est terrifiée. Laissez vos armes. Je sais ce qu'elle est. Tu comprends pourquoi on doit en arriver là? Ils sont pendus parce qu'ils ont désobéi. Regardez bien. Allons-y. Vous voyez, quand on coopère, on peut tout. C'est un putain de crime de guerre. Ils les punissent. Ces terroristes sont à l'origine de tous nos problèmes. Faire un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Unissons nos causes. Accomplir notre mission. Exposez-les.
et mettre un terme à la cruauté de Barkov pour de bon. Par ici, monte à l'échelle. Barkov déploie des hélicoptères. Si on les abat, la base devra envoyer des renforts. Et on en profitera pour attaquer. C'est ça. Pose les explosifs sur les hélicos. Je te cours. Si tu tombes sur des gardes en chemin, abat-les. Discrètement. Après, viens me retrouver ici. Ceux qui osent croire que mes hommes céderont devant ces actes terroristes et ces projets secrets. Et ces tentatives de des gardes à l'entrée. Tu les attaques, te fais pas remarquer. Je ne laisserai jamais expulsé de ces terres par une armée de voleurs et de terroristes. Dehors, moi. J'allais. Ces interventionnistes les garderont ce territoire pour toujours. Il n'y aura pas de victoire pour nos. Je suis à côté de la cible. Mais la mort. Tu sais quoi faire. Charge en place. Ça va faire une sacrée diversion. Des réflexes de chat. Personnellement, je préfère les chiens. Tous ces ennemis sont vos amis. Charge en place. On se regroupe sur ma position. Avec l'appui et le soutien des États-Unis. Maintenant, rejoins-moi. De leurs alliés du Royaume-Uni. Ils sont partis. C'est le moment. Toute personne prise à collaborer avec ces groupes sera condamnée à mort. Fais-le exploser. Attention. Bien joué, Alex. C'était beau. Par ici, maintenant. Attends. Prends à gauche. Ne tire pas. Regarde, ça a marché. Les troupes de la base rapide. Leurs véhicules sont surveillants. On va les faire vite, sous le pick-up. En voilà d'autres. Suis-moi de près. Un cadeau d'adieu. Il les attendra à leur retour. Quelle générosité. J'aurais bien aimé assister au spectacle, mais on doit lancer l'attaque avant qu'il soit trop tard. La rue suivante nous mènera au tunnel qui passe sous la maison de Tariq. Merde! Merdier. À terre. Ne bouge pas. Reste immobile. Должно быть, Бейн.
les deux sur la gauche. Beau travail. Au tunnel, vite. Il risque d'en arriver d'autres. Regarde. Des renforts de la base aérienne. Pas de plan fonctionne. Stop. Merde. La porte de Tariq est ouverte. Où est Tariq ? Il est mort. Il aurait jamais abandonné son poste. Allons-y. La voie est libre. On descend. Il faut qu'on rejoigne Edir. T'as perdu des gens bien aujourd'hui. C'est le coup de la guerre. On va prendre la base de Barkov pour qu'il ne soit pas mort en vain. Ça promet d'être intense. J'y compte bien. Adir a un plan. Bienvenue chez moi, Alex. Je me suis installé près de la base de Barkov. Histoire de bien le garder à l'œil. Prudence. Mère de sûreté. On fait les choses à notre manière. Pas de grenades, donc on improvise. C'est pas mal. Tu crois qu'on se bat avec des cailloux et des bâtons ? Je vais emmener ça au Hellcanon, lieutenant. Allez, fais vite, cousin ! Oui, lieutenant. Les Russes ne comprennent que la violence. Alors moi, je leur en donne. Barkov a une armée de l'air. Nous aussi, on a la nôtre. Les drones sont chargés de C4. Est-ce qu'on est prêt? Oui, commandant, on est prêt. Alex, percute un hélico pour l'abattre. C'est bon. Volva, la base est droit devant. Tarmac, droit devant. Tout droit. Contre les hélicos pour les percuter. Bravo. Allez, on y va. Périmètre de la base aérienne, droit devant. La deuxième équipe nous couvrira au canon. Écho 3, Watcher. Les troupes locales attaquent la base aérienne de Barkov. Demandons soutien aérien. Bien reçu, 3-1. J'envoie un hélicoptère non marqué sur votre position. Patientez, ça va prendre. Mettez-vous en position, ici. Compris. Tenez-vous prêts. On va attaquer leurs arsenaux, récupérer leurs armes et prendre l'aérodrome. Oui, Karim. Cousin, nous nous battons pour libérer l'Urzikstan et reprendre notre pays. Pour l'Urzikstan! Pour l'Urzikstan! Tirez au canon!
J'ai repéré l'armurerie, le bâtiment rouge. On dans le bâtiment. Les drones sont là, Alex. Quinto à Kuki. Première armurerie dégagée. Beau travail. Rejoins-moi dehors. Ce portail mène au tarmac. Regroupez-vous là. Ça s'ouvre pas. Merde! On doit passer par là pour rejoindre le tarmac. C'est le seul moyen. Je sais ce qu'on peut faire. Je vais foncer dedans. 3-1, Watcher. J'arrive au tarmac. Où est le soutien aérien? Écho 3-1. Sont morts. On a point de vue. Si tu veux vraiment nous aider, c'est le bon moment. L'hélico est en route. En attendant, on doit se débrouiller. Ils sont sur le tarmac. Les amis. Où est la dernière armurerie? Dans ce hangar, de l'autre côté. Si on le prend, la base est à nous. Bien sûr. Alex, ouvre la porte. Couvrez-le. Il est rouillé. Il y a une trappe sur le toit. Alex, viens m'aider. Je vais t'aider, Alex. Saute. Là, Alex. Hein? Dernière armurerie sécurisée. Rejoignez-moi pour vous ravitailler. Faire patient. Les renforts ennemis arrivent.
Allez! Faut couper le courant! On va se faire coincer! C'est une grande victoire pour le Sextant. Merci, mon frère. On forme une bonne équipe. Oui, on progresse. Mais Barkov va se venger. Nous aussi. Alex et les forces du commandant Karim ont détruit la base avancée du général Barkov, ce qui limite temporairement les capacités aériennes russes en Urzikstan. On doit agir vite. Sergent Garrick, grâce à vos renseignements, on a pu suivre la cellule Alcatala, responsable de l'attaque de Piccadilly, jusqu'à une maison dans le nord de Londres. Trois équipes des SAS vont entrer dans cette maison. Si le loup est en possession du gaz volé en Urzikstan, on doit le trouver. Faites attention, il est possible qu'il y ait des civils sur site. Vérifiez vos cibles. Les cibles sont actives, les gars. Alors on y va. Je vais m'asseoir à chauffer. Silence. On a pris contact avec un groupe ultranationaliste. Ils vont prendre les choses en main à l'est, après les attaques. On s'est fait. C'est pas un échec. Tes frères sont pas morts en vain. On était censés. Ils sont ici. C'est bon.
Kader. Deux cibles à terre. Perçu. Sécurité de l'étage. Nettoyez cet étage. Étage sécurisé. Avec moi. L'étage est sécurisé. Rejoignez-moi aux escaliers. Tiens bon, voilà. Je suis là. On peut pas rester ici, sergent. Bravo 6, on passe au troisième étage. C'est bon. Dernier étage, passez pas. Fermé. Essayez de les prendre vivants. À terre, à terre. Tirez pas, pitié. Bouge pas! Ils m'ont enfermé là-dedans! Ouvrez le feu! Bouge pas, j'ai dit! C'est bon. À toutes les unités, bâtiment sécurisé. Cherchez des infos. Bien reçu. Compris. Fouillez tout, sergent. Trouvez quelque chose. Ah, putain de merde. C'est un putain de détonateur qu'elle cherchait. On a bien fait de la tuer. On a pris la bonne décision, chef. Et pas qu'un peu. On a l'emplacement du loup. Le grenier de la maison d'Alcatala était une mine d'or. On aurait trouvé le loup. Les communications remontent jusqu'à l'hôpital de Ramaza, en Murzikstan, où serait sans doute caché le chef d'Alcatala. Les hommes de Farah vont surveiller les terroristes à l'hôpital, pendant que les marines seront sur place pour progresser dans le bâtiment. Echo 3-1 va capturer le loup pour interrogatoire au sujet du gaz russe volé. Commandant, les hommes d'Alcatala ont envahi l'hôpital. Tout est calme maintenant ici. Bien sûr. Continue de nous tenir informés. Mes hommes confirment que l'hôpital est assiégé. Alcatala se sert de civils comme bouclier humain. Il protège quelqu'un. Ou quelque chose. Plus on en saura. Tout va bien, Farah. Adir est mon meilleur tireur. Tu peux compter sur lui. Et sur tous mes hommes.
veulent leur part du gâteau, ils mèneront la charge. J'ai dit qu'on vous aiderait. Et tu tiens ta parole. Je le fais pas que... pour tenir parole. Ceux qui envahissent mon pays n'ont aucun respect pour la vie. Ce gaz détruit tout. Même la nourriture dans nos jardins. Et tous ceux qui l'utilisent sont mes ennemis. Pas d'exception. Non. Al-Qatala a sali la réputation de mon peuple. Et nous avons payé cher pour leurs crimes. Je veux que le loup soit puni. Je ferai en sorte que tu sois là quand on le livrera à Price. Et toi, tu iras où quand tout ça sera fini? Là où on m'enverra. Sans discuter? Pas le choix. Repose-toi. Demain est un grand jour. Et toi et tes hommes? On reste jusqu'au lever du soleil. Je vais couvrir l'autre coin. L'hôpital se trouve au bout de la route. 500 mètres. J'y vais à pied avec les marines. Écho 3-1. Sergent Griggs. C'est moi. Appelez-moi Alex. Pas de locaux cette fois. J'y peux rien. Karim? C'est ça. Beau travail avec les Russes. Entre amis et ennemis. Bonne chance. Merci. On se reverra bientôt, ami. Allez, Alex. Marines, c'est l'heure de foncer dans le merdier. Vous allez découvrir une zone pleine de cibles. Faites gaffe aux fuites. On a intérêt à rester sur nos gardes avec tout ce bordel. Suivez le blindé, ne le perdez pas. Demon 1-2, Viper 3-5. Viper, vous êtes où? Ici Viper, en route vers le point de contrôle Omaha, au nord 1-2. Compris. On se retrouve au croisement dans un kilomètre. Maniez-vous. Compris, je m'en charge. Avant pour les pièges. Marines, réglez. Vous pouvez le blinder de le faire. En hauteur. Thank you.
toutes les unités. Avancez. Lobby sécurisé. Aucun signe du loup. Les gars se mettent en chasse. Faut qu'on chope ce salopard, Griggs. Oui, mais on le veut en vie, 3-1. C'est compris. Suivez. Attention, vous tirez. Faut qui on se bat ici. Visez bien. Faut pas se tromper. On a un fuyard. Vive la quille. En avant. Côté nord, un escalier. Nettoyer. À toutes les unités, on progresse vers le premier niveau. Aucun signe du loup. Va nous empêcher de trouver quelque chose. Je crois que c'est clair. D'ennemis en mouvement. Présence du loup confirmée. 3 marines pris en otage. Il va les tuer. On doit y aller. Les enfoirés. Prenez-les à revers. Je passe par devant. Lex, allez à la fenêtre. Trouvez un moyen de contourner. Tant pis. Ne le tuez pas. Neutralisez-le. C'est bon. Ça va aller, mon pote. T'inquiète pas, on est là. Alex. Ouais, Griggs. Omar Sulaiman. Vous êtes en état d'arrestation par les forces spéciales. Faites exactement ce que je vous dis, ou vous êtes un homme mort. Parfait. À toutes les équipes. Les Marines vont bien. Le loup est dans le sac. On l'emmène à l'ambassade. Echo vous attend au deuxième niveau. Attention, premier point d'entrée dégagé, mais la fenêtre sera rapidement fermée. Compris. Atterrissage dans 3 minutes. Terminé. 3 minutes. Dans 3 minutes, mes hommes seront entrés et ils vous auront tous tués. J'ai choisi de vous prendre vivant, mais je peux encore changer d'avis. Vous vous trompez de cible. Tu mens. Dis-leur ce que t'as fait. Nous n'avons pas volé ce gaz. Alors qui? Quelqu'un de très dangereux. Où est le gaz? Si je le savais. Le boucher est dehors. Ils vont brûler la ville s'il le faut. Sauve ta vie, ma fille. Rejoins-nous. Ne lui parle pas, toi. Hé, hey, on se calme. Je ne suis pas ta fille, vieillard. Je mène des soldats. Toi, tu formes des tueurs. On est tous des tueurs ici, non? Ils sont là. Faut qu'on y aille, vite! 3, 1, 2, 6. Ça tire. On sécurise le VIP. Je vous recontacte. Compris, 3, 1. Bravo et sursis. Changez de position pour les vagues. 30 secondes. Compris. 30 secondes. Il y a un groupe de personnes non identifiées en mouvement à la porte principale. Les hommes
périmètre. On se pose sur le toit. On doit vite trouver Echo. Ça arrive en masse vers eux. Est allumé. Arme de faible calibre. L'extraction a échoué, on est sur le toit. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Il y a une pièce sécurisée au sous-sol. Allez-y, on vous retrouve là-bas. Bien sûr, on est en route. On doit atteindre la pièce avant les hommes d'Alcatala. Et les civils, capitaine? Alcatala est là pour le loup. Nous aussi. Enfin, vous voilà. Il leur faut 5 minutes pour terminer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Trouvez des armes. Barricadez les portes. Mais vous êtes là pour une extraction! Pas la vôtre. Vous, ouvrez ça. Fermez derrière nous. Le loup est à l'abri dans la pièce sécurisée au sous-sol. Attention, le boucher se trouve à l'extérieur avec la t-shirt. J'ai un visuel. Il pénètre à l'intérieur, il nous faut un autre point d'extraction. Vite. Merde. On va les supprimer, capitaine. Négatif. S'ils atteignent ce côté de la vitre, ils arriveront au loup avant nous. Est-ce que c'est bon? Affirmatif. Bien, passez devant. Toi, ouvre ça tout de suite. Tout le monde recule. On veut juste le loup. Inutile de verser plus de sang. Qui a la carte? C'est moi. Alors quoi, capitaine? Tu vas les laisser mourir. Bon, Vite. Sauve sa vie, sergent. Maintenant, sergent. Donne le loup. Tu es trop faible. Amenez le pick-up. Véhicule ennemi en approche, c'en est où pour l'extraction? Le bâtiment est bouclé. Impossible de sortir, capitaine. Pour le moment, restez à l'abri et gardez votre calme. Ils ont tenté d'entrer ici, bouclés! À l'intérieur, ils vont vers vous. Bien sûr. On va le loup. La porte du sous-sol, Kyle. Passez devant. C'est fermé à clé. On occupe.
Reçu. Attention, il y a des ennemis à l'extérieur de l'abri. Farah, toujours dans les bonnes causes? Toujours, capitaine. L'ambassadeur n'a pas bougé, chef. Il est coincé. Ok, surveillez-le, on peut avoir besoin de lui. Adir, merci du coup de main. C'est un honneur. Omar Sulaiman. On se connaît? Oui, vous étiez dans notre camp. Le loup combattait pour la liberté? Je le fais toujours, mon frère. Les hommes du boucher se rapprochent de l'ambassadeur, capitaine. Compris. Kyle, sur les caméras. Vous guiderez l'ambassadeur à l'abri. On aura besoin de sa carte pour ouvrir les portes. Les autres avec moi. Monsieur l'ambassadeur, vous m'entendez? Je vais verrouiller la porte. Stacy! Monsieur l'ambassadeur! Attendez, faites pas ça! Putain! Capitaine, l'ambassadeur est mort, mais je peux vous envoyer son assistante. Allez-y, on a besoin de cette carte. Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Ici le sergent Kyle Garrick. Stacy Davidson. Faites exactement ce que je vous dis, et tout se passera bien. Prenez la carte magnétique de l'ambassadeur et dirigez-vous vers la porte. C'est bon, j'ai la carte magnétique. Et maintenant, il y a un homme dans le couloir, il risque de me voir. Passez à droite, il y a un meuble à l'extrémité du couloir. Il y a un chariot près de la porte. Restez baissé. Le pilier. Où il est? Le loup, dis-moi où il est! C'est ce fumier de boucher. Je sais pas! Est-ce que je cours? Arrête de mentir. Le loup est là. Dis-moi où il est. Je suis qu'un analyste. Quelqu'un d'autre sait. Je n'ai pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui... Il y a un chariot près des étagères. Allez-y. Ils vont me retrouver. Toi, qui n'as pas ta place dans mon pays. Ces terres ne vous appartiennent pas. Non, attendez, je vous en prie. Tu veux que j'aille dans ton pays et que je tue ton peuple? Allez au bureau du milieu. Restez bien baissés. Oh non. Allô? Sergent Garrick? Non! Je peux pas vous aider. Dommage pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont en train de tuer. De l'autre côté du bureau. Allez! Passez dans le couloir. Tout de suite. Merde. Cachez-vous près de la porte. Allez vers le box. Allez! Oh mon Dieu. Adam! Non! Adam. Stacy, ramassez le téléphone! Stacy? On va te sortir de là! Merde, Stacy! Laissez-le là! Je suis désolée, Adam! Ne criez pas, Stacy! Ne bougez pas! Je veux rentrer chez moi! Moi aussi. Vous allez rentrer chez vous, Stacy. Vous y êtes presque. Il est parti. Allez vers ce box. Continuez, le suivant. Bon, très bien. Le box suivant. Allez. D'accord, j'y vais. Sergent, vous êtes là? L'autre box maintenant. Allez-y! Il y a un garde qui bloque la sortie. Vous allez devoir faire diversion. Qu'est-ce que je dois faire? Allez à la déchiqueteuse. Maintenant, utilisez-la. Reculez! Demi-tour! Foncez vers la sortie! Courez! La sortir.
colis, on se regroupe sur le parking. Bien reçu, chef. À toutes les stations, l'ambassade est tombée. Les marines organisent un point de rendez-vous à la résidence de l'ambassadeur. Ici le capitaine Price du SAS, on avance dans votre direction. Bien reçu, capitaine. Les marines ouvriront l'œil pour vous. Garrick, on s'en va. Bien reçu. À dire. Surveille sous la main. D'accord. Quel est le plan? Retrouver les marines dans le complexe sud. Il est où ce complexe? Pas très loin. Par la ruelle, de l'autre côté de la rue. On y va. Bon, Garrick, ouvrez ça. Tenez. Merci, sergent, vous m'avez sauvé la vie. Cette carte pourrait tous nous sauver. Préparez-vous. Et attendez-vous à de la résistance. Ils sont ici. Une sorte à découvert. Vous pouvez décoller. Bien sûr, on va à votre rencontre. Restez sur vos gardes. Restez pas ici, c'est dangereux. Non, ça kiroule, non, ça kiroule. Laissez-les allumer. On change de position, tout de suite. Voilà le complexe. Garrick, utilisez la carte magnétique, faites-nous entrer. Bravo 6, SAS, on est dehors. Je pensais pas que vous alliez y arriver. On a besoin d'une pièce sécurisée pour placer un prisonnier. À vos ordres, il y a une pièce sécurisée dans la résidence. Suivez-moi. Ça fera l'affaire. Faites le guet, prudence. On viendra le chercher. Je ne serai plus là, mon frère, mais on se reverra bientôt. Puncher, ici 06, j'ai besoin d'un soutien aérien immédiatement. Négatif 06, je peux pas risquer un autre appareil. Kate, trouvez-moi quelque chose. La ville entière veut notre peau. Le seul drone à proximité a besoin d'un ravitaillement. Il pourra pas rester longtemps. Envoyez ce que vous avez. Terminé. Alex, Adir, direction nord, vous couvrez ce toit. Kyle, Farah, vous venez avec moi. Reçu, capitaine. Bien reçu. Capitaine, les marines peuvent s'occuper de l'ambassade s'ils nous suivent. Y a rien ici, mon capitaine. Ils vont revenir. Ils vont revenir de l'autre côté. Qu'est-ce que t'en sais? J'aurais fait pareil. Elle a raison. On se repositionne de l'autre côté du toit. Tout de suite. Allez-y. Je veux quelqu'un qui couvre ce champ. Sergent, prenez un fusil de précision dans la boîte derrière nous. Je veux qu'on surveille ce café de l'autre côté du champ. Surveillez-moi ce café en utilisant la lunette de votre arme. Surveillez à 12 heures. Le café. Plusieurs hommes en âge de combattre. Pas armés. Restez concentrés. Deux de plus. Farah. C'est des messagers. Ils regardent vers nous. No bueno. Les quittez pas des yeux. Je m'en occupe. Quelque chose les a effrayés. Regardez à droite. Deux de plus. Ils s'arrachent. Il y a un truc qui cloche. Il y a d'autres civils inconnus à l'extrémité du terrain vague. Analyse en cours. Des combattants. Ils sont là pour nous. Ils avancent vers nous. Merde, je les ai perdus. Alex ? J'ai rien. Attendez, j'ai du mouvement à mi-distance. 11h. Où ça? Négatif, c'est juste le vent. Ne tirez pas. Il nous observe, capitaine. Encore un mot et je vous envoie là-bas. À vos ordres.
Ils visent les lampes. Autorisation d'engager? Engager quoi? On voit rien. Silence. Surveillez l'herbe. Envoie une fusée. On peut les neutraliser si on y voit clair. Il nous faut une fusée éclairante. Il nous faut de la lumière, Kyle. Attention, ça va péter! On voit qui bouge, au bout du champ. Attaquez, ouvrez-feu! Sont vos munitions. Presque à sec. La moitié. Presque à sec. Soyez précis dans vos tirs. Chaque balle compte. Hey, deux véhicules qui font route vers le sud. Extrémité du champ. Bien reçu. Ils ont dû se tirer. Ils se repositionnent. Okay.
Aucun mouvement dans le champ. Restez furtif. Passez au bâtiment nord pour faire le plein de munitions. On surveille la zone. Compris. Allons nous équiper à l'intérieur, sergent. Ouvrez ! Restez baissés et ne quittez pas ce bâtiment. Sergent, faites le plein et venez me voir. Compris. Bravo 6, ici Jaguar 4-1 pour soutien aérien. Paré à tirer. Compris, 4-1, en attente de cible. Y'a un soutien aérien de prévu ? Un seul drone, avec peu de carburant. Compris, capitaine. On a un drone sur site. Indiquez-lui des cibles. Capitaine, on devrait évacuer le loup et dégager. Négatif. On défend cette position. Et ensuite, on avisera. Et si on le perd ? C'est un risque. Bravo, envoyez le drone. Moi, suis. Je suis en route. Le toit, go ! Numéro 6, Jaguar 4-1 est au-dessus pour mission de neutralisation. On attend de vous. Véhicule non identifié, de l'autre côté du champ. Un civil ? Ou une voiture piégée ? Ils viennent vers nous ! Ils sont armés ? Impossible à dire. Ils sont passés, on est bon. Jaguar 4-1. Vous voyez les véhicules ennemis et les hommes au sol qui viennent de l'est ? À vous. Reçu 5 sur 5. Marquez-les avec le laser vert. Là, dans la rue ! Nouvelle cible marquée. Très beau tir, Gary. Tir effectué. Est à sec. On quitte la zone de mission. Bien reçu, 4-1. Merci du coup de main. Ça veut dire quoi ? Il a plus de carburant, donc on est... Eric, suivez à dire. Et...
L'équipe du mortier est là. Ouvrez la porte, sergent. Je vais fermer la clé. Faites-moi franchir le mur. J'ouvrirai la porte. On est au bâtiment cible. On entre. Sergent, on doit se débarrasser de ce mortier. Reste frais. En haut, go! Toutes les unités, ici bloc 2-6. Tous les mortiers sont détruits, le bâtiment est dégagé. Rejoignez-nous au complexe. Farah, ils font venir des renforts. Dans le champ. Atteignez le loup à la pièce sécurisée du bâtiment résidentiel. Stacy, foutez le corps d'ici.
Ils ont cassé le mur. Putain de merde. Il est plus là, capitaine. On va le trouver. Adir, amène ton équipe au carrefour. Et prends tout ce que t'as. Oui, Farah. C'est quoi notre plan ? Le loup est avec le boucher. Les terroristes de la ville vont les cacher. L'équipe Bravo va fouiller chaque maison. Mes hommes vous aideront. S'ils essaient de fuir par les montagnes, il n'y a qu'un moyen. Barry Kalmout, la route de la mort. Les Russes l'ont bombardé au cours de l'invasion, tué tous les civils qui s'enfuyaient. Il y a un village qui se trouve au carrefour. J'ai envoyé Adir et ses hommes là-bas pour préparer une embuscade. Alex et moi les rejoindrons et trouverons des positions de tir au-dessus de la route. En attendant, l'avenue du loup. L'autoroute est en dessous. Adir a placé des renforts pour tendre une embuscade au loup. On fait des cibles faciles pour les Russes. Oui, on a peu de temps. Les hommes de Barkov sont en chasse. Il a plus le contrôle. Il va vouloir nous. Attends ici. En route. Il faut qu'on intercepte le loup au col. Avant la guerre, ce village était rempli de familles et de rires. Le rire est le meilleur des remèdes. T'as pas une blague ? Comment un agent de la CIA soigne une hernie ? Comment ? Avec une infiltration. Pas mal. Pas aussi drôle que je pensais. Mais j'apprécie l'effort. Gardez tout ça à portée de main. À vos ordres. Adir s'est placé en hauteur pour nous. Mon père surnommé Adir Shabal, son petit lion. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est mort au combat. Tiens-nous au courant. Alex, par ici. Adir nous attend. Je lui ai dit d'apporter tout ce qu'il avait. Alex, regarde ça. La PUA calibre 338 transperce les blindages à 600 mètres. Je l'ai assemblé moi-même. Vas-y, prends-le. C'est un sacré fusil, mon frère. Protège-le de ta vie, et il te le rendra bien. Merci, Adir. Je vais observer pour toi. Regarde dans ta lunette. On est frères d'armes, maintenant. Rends-moi fier, Alex. Allonge-toi. Ça t'aidera à stabiliser le tir. Regarde dans ta lunette. Faut te préparer. Cherche la lumière qui scintille près de l'autoroute. Je vois. Maintenant, ajuste le zoom. Ok, commandant. Quelle déférence. Ali, rejoins les autres. Oui, commandant. Suis-le, et tu verras mon équipe en position près de la route. C'est bon, je les vois. Ils nous aideront quand on lancera l'attaque. Raza, place une cible près du bus. Parce que t'en es capable. Les encoches verticales, c'est pour ajuster la distance. Chaque encoche représente 200 mètres. Mets-toi à l'abri. On va tirer. La cible est à 400 mètres, donc vise deux encoches au-dessus. Deux encoches, entendu. Le vent va dévier tous tes tirs. Utilise les drapeaux pour connaître la direction. Tire contre le vent. Ok. Tire, vas-y. Touché. Elle chante pour toi, Alex. Mon frère, c'est ton plus grand fan. On va essayer une autre cible, à une autre distance. Il y a une maison bleue dans le fond, tu la vois ? Je vois la maison bleue. Il y a un fruit sur la glacière. Distance, 600 mètres. Fais feu quand t'es prêt. Touché. Waouh ! Il est impitoyable avec les fruits. J'ai entendu ça. Y'a Ayawem. Concentrez-vous un peu, les garçons. Bon, t'as compris le principe. Oublie pas. Utilise l'environnement à ton avantage. Les drapeaux t'indiquent la direction du vent et les bâtiments te renseignent sur la distance. C'est compris. Surveille l'autoroute. Il devrait plus trop tarder. Il y a du vent, mais c'est tout.
J'ai repéré quelque chose, près de la pompe à pétrole. C'est rien, juste des chiens. Continue de surveiller la route. Le loup sera bientôt là. Un véhicule en approche par l'est! Bien reçu. N'attaquez pas. Ils ont repéré un véhicule, côté droit. On dirait qu'on a enfin de la compagnie. Mais ça n'a pas l'air d'être le loup. C'est des éclaireurs. Tire pas. Attends d'avoir un bon angle. Ali, tu les vois? Ils montent sur le toit. Regarde le toit, Alex. Deux, sur le toit. C'est bon, je les vois. 400 mètres. Fais feu quand t'es prêt. Touché. Il en reste un. Bien visé. Deux hommes du loup en moins. Ali, tu peux y aller. Adir a de la ressource. Son équipe est en train de placer un piège pour les hommes du loup. Alex, couvre l'équipe qui piège le camion. Même si on tue le loup, rien ne dit qu'on mettra la main sur le gaz volé. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passera si tu le trouves pas? C'est pas envisageable. Bien. Maintenant, mettez-vous à couvert et attendez le signal. Les hommes du loup vont devoir déplacer le pick-up pour passer. Attends qu'il soit tout prêt, puis fais-le sauter. Boudin, je vois le convoi à l'est. Bien compris. C'est le moment de vérité. Soyez forts, cousin. Les soldats du loup sont là, Alex. Sur la droite de l'autoroute. Trois véhicules d'Alcatala. Je les vois. Attends qu'ils soient à portée pour tirer. J'attaque ? Non. On les laisse s'approcher. Encore un peu. Allez, soyez pas timides. Ils le voient. Ils avancent vers le véhicule. Adir. Je les regarde. Tiens-toi prêt, Alex. Fais exploser le véhicule, Alex. Il change de position. Je l'ai. Bien joué, Alex. Alcatala se regroupe de l'autre côté de l'autoroute. C'est peut-être lui. C'est à 600 mètres, Alex. Élimine-les. Sera bientôt là. Farah, à gauche, je vois une fumée blanche. Alex, essaie de les arrêter. T'arrêtes pas, Alex.
explosifs. Des explosifs très puissants. On va s'en servir. Ouvre le rayon, allez vite. Je vais nous couvrir. Le gaz russe. Ouais. Et maintenant, on va le renvoyer au... Les masques en gaz sont dans le bunker, venez vite. Adi, c'est quoi ça? La bombe. Voilà ce que c'est. N'approche pas de moi! Tes mains t'as déversé! On n'avait pas le choix, enfin! On a une chance maintenant! Non, pas comme ça! Farah! Alex! Écoute-moi! J'ai volé le gaz aux Russes! Pour nous aider! Juste pour nous aider! Dis-le à Farah. Dis-lui, Alex. Farah, Alex, bougez pas, je vais vous aider. Adir, il a volé le gaz. Désolé, capitaine, je savais pas. Tu n'as rien à te reprocher. T'en fais pas, Farah. On retrouvera. On doit se tirer d'ici. Vite! Mon frère a toujours détesté suivre les règles. Maintenant, il n'en suit plus aucune. Adir est au nord. Il s'est fait prendre par des combattants d'Al-Qatala. Volontairement ou de force ? On ne sait pas. Désolé, Farah. Votre frère est un terroriste. Est un agent américain qui est avec ou aux mains des terroristes. Adir n'a rien contre nous. Il aurait pu tuer tout le monde quand il a volé le gaz, mais il n'en a rien fait. Comment tu le sais ? J'y étais, pour l'arrêter. Pourquoi tu m'as rien dit ? On pensait que c'était Al-Qatala. On savait pas que c'était lui. Plus maintenant. On va le chercher ce soir. Je viens avec vous. Vous traqueriez votre propre frère. Il n'est plus mon frère. Plus maintenant. Barkov va mettre sa tête à prix. Faut qu'on l'attrape avant lui. Une seule complication, et c'est la guerre avec les Russes. Suffit de rien compliquer. C'est pas une bonne idée, Farah. On s'occupe des nôtres, ici. En général, ça veut dire l'inverse. Pas ici. Je veux Farah avec moi. Pas de discussion. Soit. Vous êtes autorisés à tuer. Chacun de vous. Ok, je vous brief. Nos images confirment qu'Adir était en possession de ce qu'il restait du gaz volé quand il a pris contact avec l'agent le plus brutal d'Al-Qatala, le boucher. Nos éclaireurs ont suivi leur véhicule jusqu'à un complexe dans les monts Akrus. Pourrait être la base du loup. Alex et Farah resteront dans les airs en surveillance. Et Bravo 6 mènera l'assaut pour localiser les agents chimiques, récupérer Adir et tuer le loup.